C'est quoi cette fin de cordon sanitaire? Le cordon sanitaire, c'est une expression qu'on a utilisée pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle pour désigner la séparation très stricte entre la droite républicaine, issue du gaullisme, donc issue de la résistance française, avec l'extrême droite, issue de la collaboration avec les nazis. Alors j'en parle au passé parce qu'aujourd'hui le cordon sanitaire il semble friable, pour deux raisons. D'une part pour une radicalisation proche des thèmes de l'extrême droite du parti historique des gaullistes qu'est les Républicains, et d'autre part par une stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen qui essaye de gommer autant que possible son côté issu de la collaboration avec le fascisme. Le cordon sanitaire c'était un refus de discuter, de tendre la main, de faire des élections ensemble sur des accords électoraux, etc. Pour l'instant il n'y a pas d'accord électoral entre les Républicains et le RN, donc il reste un fond de cordon sanitaire, mais il y a un rapprochement du RN et des Républicains sur plusieurs thématiques, notamment sur la thématique de l'immigration. Pendant plusieurs décennies, les gaullistes préféraient voter pour un communiste que pour un nazi ou un collaborateur du nazisme. Parce que les mouvements de la résistance, dans la résistance, il y avait qui? Il y avait les gaullistes, les communistes et les socialistes. Les démocrates chrétiens aussi dans la résistance. Oui, les démocrates chrétiens aussi dans la résistance. Oui, c'est vrai. Toute l'extrême droite collaborait, genre même les monarchistes. Alors ça dépend lesquels. Il y avait des monarchistes qui étaient contre les nazis parce qu'ils leur reprochaient d'être allemands. Ils n'étaient pas contre l'antisémitisme, ça leur allait très bien. C'est pour ça. Par contre, ils étaient emmerdés parce que c'était des Allemands, les mecs. Donc Charles Maurras, il aimait pas Hitler. Parce que Hitler c'était un Allemand et que lui c'était un nationaliste français. La résistance était très hétérogène et dans la résistance, il y avait des mouvements qui, après la libération en 45, sont restés proches dans le rejet du collaborationnisme. Voilà ce que c'est que le cordon sanitaire et voilà pourquoi j'y fais référence et voilà pourquoi ça m'intéresse d'interroger les Républicains sur la persistance ou non d'un cordon sanitaire. Qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les différencie? Est-ce que la cabale anti-France Insoumise qui vise à écarter la France Insoumise de l'arc de l'acceptable, cet anticommunisme qui refait surface, ce néo-maccartisme, pour reprendre des mots d'Usul, c'est effectivement un sujet que je trouve intéressant. Est-ce que cette nouvelle donnée rend plus proche les Républicains du RN? En cas de second tour, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, admettons, pour qui voteraient les gens de droite? Et je suis pas sûr qu'ils voteraient tous pour Jean-Luc Mélenchon. Concernant les Républicains, c'est clairement terminé le cordon. Non, il n'y a pas d'accord électoral entre le RN et LR. C'est pas vrai que c'est terminé. Il y en aura peut-être pour les municipales, il y en aura peut-être à d'autres endroits, mais il n'y a pas d'accord électoral LR-RN. C'est pas facile à dire LR-RN. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai entendu sur RTL de la part d'une journaliste que LFI est perçu comme de moins en moins respectable, contrairement au RN à cause de la position provocatrice de LFI, vous y croyez? C'est pas une question de savoir si j'y crois ou pas, mais effectivement, cette journaliste a raison de pointer le fait que on est aujourd'hui en train d'assister à un glissement dans le débat public, dans le paysage médiatique et dans le paysage institutionnel, vers davantage d'acceptabilité du Rassemblement National, tendance Marine Le Pen, et davantage d'exclusion du domaine de l'acceptable de la France Insoumise. J'en veux pour preuve la première ministre Elisabeth Borne qui accuse la France Insoumise d'être sortie de l'arc républicain. Pour moi, vous vous excluez du champ républicain, je vous remercie. Donc il y a effectivement une diabolisation de la France Insoumise. Après, est-ce que la France Insoumise y participe ou pas à cette diabolisation? Je vous laisse mettre de vos opinions. Et il y a une dédiabolisation de Marine Le Pen qui porte ses fruits, puisque Marine Le Pen apparaît comme de plus en plus respectable et acceptable. Comment on peut expliquer ce glissement? Peut-être que c'est du cynisme et du petit calcul de la part d'un certain nombre des acteurs. Peut-être que c'est de la facilité pour beaucoup. C'est un glissement qui est un glissement qui s'opère dans l'opinion, donc chacun est maître de son opinion, quoi. Ça m'avait frappé pendant la présidentielle, notamment chez Cyril Hanouna, par exemple, où un Éric Zemmour était parfaitement à l'aise, les pieds dans les pantoufles, à faire des interviews fleuve. Et Alexis Corbière était hué par le public dès qu'il ouvrait la bouche, il était rejeté. Il y a clairement un camp qui est le bienvenu et un camp qui l'est pas, quoi. Il y a Vincent Bolloré qui y participe aussi, c'est vrai. Il y a Marine Le Pen qui y participe aussi, c'est vrai. Marine Le Pen a une stratégie de dédiabolisation qui consiste à être les bons élèves de l'Assemblée nationale, à être poli, bien élevé, à pas faire trop de bruit, etc. La méthode de communication de Mélenchon est comparable à celle de Jean-Marie Le Pen à l'époque du bruit et de la polémique. Je sais pas si je mettrais une équivalence entre les deux personnages, y compris dans leur stratégie de communication. Jean-Marie Le Pen, c'était du national-populisme, Jean-Luc Mélenchon, c'est du populisme de gauche. Alors est-ce que du coup le caractère populiste est un truc qu'on peut leur appliquer à tous les deux en équidistance? J'en sais rien. D'ailleurs, il y a une très bonne émission sur France Inter qui s'appelle Enquête de politique qui a fait un épisode entier sur le populisme. C'est Thomas Legrand qui anime cette émission, je vous invite à l'écouter. Et il a fait une émission sur le populisme. Qu'est-ce que le populisme? Le Pen joue sur la peur, LFI sur la colère. Oui, c'est assez juste. Populisme égale confronter les élites et le peuple. Macron est bien plus populiste que tous les autres. Ouais, il y a une forme de populisme macronien, mais qui a un peu disparu, hein. C'était plutôt en 2016-2017 que Emmanuel Macron jouait un petit peu sur cette corde populiste d'opposition des élites et des gens. Mais depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, on peut pas parler d'une politique populiste. Je vous invite à écouter ce podcast parce que il va vous expliquer que justement la notion de populisme est d'ores et déjà une notion critiquée. Elle peut être revendiquée, elle peut être appliquée comme un opprobre sur un camp ou sur une personnalité. Cette façon de m'injurier me tient lieu de
Légion d'honneur d'une certaine manière, non ? Elle peut être utilisée comme un mot remplaçant le mot démagogue. Donc c'est très très débattu en fait la notion de populisme. Mais pour revenir à Jean-Luc Mélenchon, dans le front de gauche de 2012, il assumait très clairement une position populiste. Même d'ailleurs ça a continué avec les Gilets jaunes en 2018. Hein. Jean-Luc Mélenchon se revendiquait du populisme de gauche, issu des travaux notamment de Chantal Mouffe, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pour un populisme de gauche » et dont Jean-Luc Mélenchon s'est un temps revendiqué. Alors aujourd'hui c'est un peu moins le cas. Populisme égale ce que les gens veulent entendre sans se soucier de la faisabilité. Alors je suis pas d'accord. Là tu décris la démagogie. La démagogie c'est dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Le populisme c'est autre chose. C'est plus une stratégie de conquête du pouvoir basée sur la réaffirmation d'une opposition entre le peuple et les élites. Le nous contre eux, voilà, le fameux nous contre eux. Il cherche des voies pour sa carrière quitte à passer d'une idéologie à une autre. Alors le populisme n'est pas vraiment une idéologie. C'est pas, y a pas de contenu programmatique à l'idéologie. C'est pour ça qu'on parle davantage du populisme comme d'une stratégie. Du coup, qui peut être appliquée avec des degrés de subtilité par différents camps politiques. De Donald Trump à Jean-Luc Mélenchon en passant par Podemos, etc. Comment tu t'es intéressé à la politique ? Moi, je suis venu à la politique par l'associatif. Quand j'avais 16-17 ans, il y a eu un mouvement social très important, un mouvement de jeunesse qui s'opposait au gouvernement à l'époque. À l'époque, c'était Dominique de Villepin, le Premier ministre, et Jacques Chirac, le Président de la République. Et il proposait un contrat précaire pour les jeunes. Et donc, il y avait un mouvement contre ce contrat. Le contrat s'appelait le CPE, le contrat première embauche. Donc ça m'a intéressé à la politique, mais en parallèle de cet engagement dans le mouvement, j'ai rencontré l'associatif, et du coup ça m'a amené à rencontrer la politique par un autre biais que l'engagement militant, qui était par la fabrication des politiques publiques et le secteur associatif. Et c'est pour ça que je mets un point d'honneur à vous présenter des associations. J'aime beaucoup vous présenter des associations, parce que moi je viens de ce monde-là, et j'aime beaucoup les assos. Est-ce que t'es pas un peu nostalgique de cette époque niveau politique ? Non, je suis pas nostalgique. J'ai pas de nostalgie de cette époque qui était encore plus corsetée qu'aujourd'hui. Il y avait pas de réseaux sociaux, il y avait pas d'expression citoyenne, il y avait aucune velléité de participation citoyenne nulle part, jamais. Il y avait beaucoup moins de femmes en politique. Déjà que c'est pas fameux aujourd'hui, mais c'était encore moins le cas. Je préfère la vie politique actuellement. Non pas que je préfère le gouvernement, parce que je fais la différence entre les deux, mais la trouve plus intéressante, plus excitante, plus enrichissante. C'était ultra violent à l'Assemblée plus que maintenant. Ça dépend. Et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté, asseyez-vous, qu'il y a dans votre attitude. Ça dépend sur quoi. Mais il y a eu des tensions très fortes, oui, bien sûr. Arrêté par les huissiers non. Et ses amis, elle invective Lionel Jospin et sort folle de rage. Après, l'Assemblée nationale avait rien à voir avec aujourd'hui. Hein. L'Assemblée nationale, à l'époque, moi, quand je me suis intéressé à la politique, il y avait le PS et l'UMP qui se répartissaient à peu près 80% des sièges à tous les deux. On avait des groupes parlementaires immenses. Je préférais quand c'était biparti, il y avait plus de compromis, ce n'est que contestation à tout va. Ah, c'est marrant, je suis pas d'accord avec toi. Il y avait pas de compromis entre les partis, entre l'UMP et le PS, à l'époque, il y avait zéro compromis. Hein. Les mecs se faisaient la guerre. Hein. Il y avait quelques deals sur lesquels ils se mettaient d'accord sur la réforme de l'an 2000, par exemple, sur des traités européens, sur des trucs comme ça, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de compromis. Regarde la NUPES, par exemple. C'est un immense compromis. À quatre parties. La majorité, c'est un compromis entre les macronistes, ceux qui suivent Édouard Philippe et le MoDem de Bayrou. À l'époque, la gauche, en tout cas si on parle du Parti Socialiste, il y avait d'énormes tensions au sein du parti entre plusieurs franges. Je vous rappelle qu'à l'époque, dans le même parti, il y avait Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls. Ils étaient dans le même parti politique. Je vous laisse imaginer à quel point le parti il était grand. Et il était divers. La NUPES reste très fragile, en témoignent les tensions avec LFI. C'est pas pire qu'à l'époque où il y avait le Parti Socialiste avec des motions qui s'engueulaient à chaque congrès, quoi. Genre, j'avais une question, parce que j'en comprends pas l'intérêt, c'est quoi une proposition de résolution ? Alors, une résolution, c'est un texte déclaratif par lequel une assemblée, un organisme, arrête une position. Ce n'est pas un texte qui produit des effets de droit direct. Ça s'appelle une loi. Une résolution, c'est nous, le conseil d'administration de machin, disons que. Alors, c'est très utile en diplomatie, notamment quand il y a des résolutions à l'Assemblée générale des Nations Unies, par exemple. Les Nations Unies arrêtent des positions communes via des résolutions. En politique, il existe la possibilité de faire adopter des résolutions par l'Assemblée nationale. Mais une résolution, ça n'a pas d'effet. Ça a un effet politique, parce que ça permet d'arrêter une position à un instant T, mais ça n'a pas d'effet de droit. Par exemple, plutôt que de voter une résolution qui dit « Nous, Assemblée nationale française, sommes contre la pauvreté », et bah les députés, ils votent plutôt des lois pour réduire la pauvreté. Bon, en l'occurrence, ils le font pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais attention, je dis pas que c'est inutile. Hein. Politiquement, ça peut être utile, dans un procédé, un processus, de voter des résolutions. Dans les collectivités, on appelle ça un vœu. Le conseil municipal peut voter un vœu. C'est-à-dire que nous émettons le vœu que. Donc parfois, ça peut être, je sais pas, un vœu pour défoncer la préfecture qui a fait n'importe quoi. On émet le vœu que le gouvernement se bouge le cul. Tu vois, ça peut être ce genre de truc. Les résolutions des Nations Unies, elles ont quand même plus d'impact. Parce que dans le cadre d'une résolution des Nations Unies, peut être décidée une action concertée des différents États sur un territoire ou sur un domaine donné. Une résolution dans le cadre des Nations Unies peut avoir un effet de droit, mais c'est contractuel. Le droit international est très contractuel, il est régi par des traités, c'est-à-dire que ce sont des acteurs souverains que sont les États-nations qui prennent des résolutions et ils s'y tiennent parce qu'ils s'y sont engagés, mais il y a le principe d'effet mutuel, enfin tu vois, c'est un peu comme un traité international, quoi. Quels sont les recours possibles des États envers le président des Nations Unies
Israël a vraiment le droit de demander sa démission ou est-ce simplement une communication politique? Israël a le droit de demander la démission du président des Nations Unies, mais le président, d'ailleurs c'est pas le président, c'est le secrétaire général, Antonio Guterres, il est désigné, à ma connaissance, par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Faut le dire vite, mais c'est l'équivalent d'un parlement. C'est-à-dire qu'un membre peut être en désaccord, mais il faut qu'il ait une majorité avec lui pour proposer un autre nom. Comment fonctionnent les Nations Unies? Ça, à mon avis, c'est un sujet qu'il faudrait qu'on aborde une autre fois. Pour le faire simple, c'est une organisation internationale dont sont membres les États qui ont ratifié le traité fondateur des Nations Unies. Tu as une Assemblée Générale des États, et dans le cadre de cette Assemblée Générale, des décisions peuvent être prises par la communauté internationale, donc. Mais tu as aussi des organismes qui dépendent des Nations Unies, qui ont été créés ex nihilo par les traités. Mais parfois, je fais exprès d'utiliser la vulgarisation quand je parle des Nations Unies en vous disant « Les Nations Unies, ce n'est rien d'autre qu'une table de réunion. » En matière de droit international, il n'existe pas d'autorité supérieure au-dessus des États pour forcer les États à faire des trucs. L'ONU, c'est une table de réunion dont les États qui siègent autour de la table se sont mis d'accord pour la désigner comme table de réunion, que c'est dans ce cadre-là qu'on va travailler, qu'on va faire triompher le droit international sur le rapport de force, etc. Vous voyez, parfois il y a des gens qui posent la question, pourquoi l'ONU ne fait rien? L'ONU ne peut rien faire, ce sont les États membres des Nations Unies qui, dans le cadre de résolutions votées aux Nations Unies, peuvent faire des trucs. Mais l'ONU, c'est que la table. Et la table, elle peut rien faire. Les casques bleus, par exemple, ce ne sont pas des militaires des Nations Unies. Ce n'est pas l'armée des Nations Unies, les casques bleus. Les casques bleus, ce sont des forces d'interposition et de maintien de la paix, qui sont des forces de pays membres des Nations Unies, et qui sont engagées dans un conflit, dans le cadre précis d'un accord de cessez-le-feu ou d'un accord de paix, entre des pays belligérants. L'ONU ne peut pas envoyer des casques bleus quelque part, comme ça. Il me semble que seul le Conseil de sécurité peut décider l'envoi des casques bleus. Oui, et de toutes les façons, l'envoi de casques bleus ne peut se faire qu'avec l'accord des deux parties belligérantes. On ne peut pas envoyer un casque bleu contre l'avis d'une des deux parties qui est en conflit. Dans le cadre de cet accord, les Nations Unies se portent garantes de l'accord, et des pays membres des Nations Unies envoient des militaires sous casque bleu pour faire respecter l'accord. Le mandat des casques bleus s'arrête à l'accord. C'est pour ça d'ailleurs que les casques bleus sont ce qu'on appelle une force de maintien de la paix. Ils envoient des soldats pour qu'on ne se batte plus.